Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. صلاة. اللهم. اللهم. افتح لي. أبواب رحمتك. بسم الله. توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc là, on est à la fin de la page 27. Qui peut lire ce qui est marqué? Oui, non? Ouais, en rouge, quand je rencontre. Très bien. Donc, quand je rencontre un autre musulman ou une autre musulmane, qu'est-ce que je dis? Assalamu alaikum. Et ici, les enfants, c'est important que vous sachiez à quel point c'est important de dire assalamu alaikum. Nous, on ne dit pas salut, bonjour, wesh. Ça va bien, non, nous, ça roule, ça brûle, ça gaz. D'accord, donc nous on dit assalamu alaikum. Et sachez que énormément de mérites et de bienfaits, de hasanat, lorsque l'on dit assalamu alaikum. Un jour un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, c'est le meilleur des islams, la meilleure des choses à faire. Et lui a dit, tut'imut ta'am, tu nourris, donc tu donnes de nourriture à ceux qui en ont besoin. Wa taqra'u salam, et tu parles le salam, ala man araft wa man lam ta'arif. Passe le salam à ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Dès que tu vois un musulman dans la rue, même si tu ne le connais pas, ce que tu dis, tu dis assalamu alaikum. Musulman, tu dis bonjour, d'accord. Musulman, tu dis assalamu alaikum. Et ici, c'est important. Tu dis assalamu alaikum à ceux que tu connais comme à ceux que tu ne connais pas. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas des croyants. Tant que tu n'es pas un croyant, tu n'iras pas au paradis. Donc la question, c'est quoi? Comment faire pour être croyant? Et tu ne seras jamais un croyant tant que pas les autres musulmans. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit il va expliquer comment on fait pour nous, pour Sem. Il dit, est-ce que vous voulez que je vous indique une chose, si vous allez la faire, vous allez vous aimer. Il a dit, passez le salam entre vous. Parce que quand tu regardes, même si tu ne le connais pas, et tu lui dis, assalamu alaikum, tu lui dis, assalamu alaikum, et bien automatiquement, il va te... D'accord. Donc, on le salam aux musulmans. Comme il dit Mohammed, si la personne n'est pas musulmane, tu ne vas pas lui dire salam alaikum. Mais si la personne qui n'est pas musulmane, elle te dit salam alaikum, là tu lui réponds. D'accord? Si comme là tu lui réponds. Alors toi, si tu ne sais pas si la personne... Regarde, un exemple, si tu le vois à la mosquée, ben, tu sais qu'il est musulman. Tu vois qu'il y a une là-bas, s'il y a un hijab, s'il y a une barbe. Dans ce cas-là, tu sais qu'il est musulman. Maintenant, si tu ne sais pas, si vraiment, aucun moyen, si vraiment tu n'as aucun moyen, d'accord? Si vraiment toi, tu ne sais pas du tout, comme je t'ai dit, tu regardes dans l'endroit où tu es. Alors, si c'est des endroits où généralement c'est fréquenté par les musulmans, c'est tout. Après, si tu dis ça comme eux, ils n'étaient pas musulmans, c'est pas grave. Si toi, tu pensais qu'il était musulman. Et si c'est lui qui t'a dit salam alaikum, mais le mieux, tu lui réponds, mais le mieux, c'est que c'est toi qui commence à dire salam alaikum. Le meilleur dans nous, c'est celui qui va dire salam alaikum en premier. C'est celui qui va dire salam alaikum
en premier. Des fois, il y a des femmes qui ne portent pas de foulard, mais ils sont musulmans. Exactement. D'accord. Dans ce cas-là, passe le salam. Le porter le foulard, très important. Se couvrir pour la femme, c'est obligé, c'est très important. Mais si la personne ne le fait pas, c'est pas pour ça que on va pas lui dire salam alaikum. Mais c'est très important. Est-ce que si la femme n'a pas de hijab, elle rentre pas si elle fait son hijab dans sa vie, elle va pas rentrer au hijab. Alors si la femme elle n'a pas porté le hijab dans sa vie, elle a désobéi à Allah. Et Allah il va décider est-ce qu'il ou est-ce qu'il va lui pardonner. D'accord. Est-ce qu'il va la punir ou est-ce qu'il va lui pardonner? Mais en tout cas, elle reste musulmane. En tout cas, elle reste musulmane. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons. Et il y a un homme qui est rentré qui dit « Assalamu alaykum ». Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit « Ashrun ». Qu'est-ce que ça dit « Ashrun » ? Oui. 20. Là, pas Ishroud, Ashara. Ensuite, un homme, écoutez bien parce que je vais vous poser une question. Il est venu, lui a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ishroud. C'est-à-dire quoi Ishroud 20. Un autre, il est venu, lui a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Salathoun ». C'est-à-dire quoi, Salathoun ? 30. En fait, c'est 10, 20, 30. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 20 et 30 ? Parce qu'il y avait 60 ans. Non, c'est pas par rapport aux années. C'est... Oui, Hamza ? Non. Le premier, il a dit salam alaikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ashar. Il aura 10 hasanat. Le deuxième, il a dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a dit ishrun. Il aura 20 hasanat. Et le troisième, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il aura 30 hasanat. C'est quoi la différence? Pourquoi le premier a hasanat, le deuxième a 20 hasanat et le troisième a 30 hasanat? Oui, Kaina? Parce que le premier, il a dit « Assalamu alaikum ». Ça, c'est le minimum. C'est le minimum à dire « Assalamu alaikum ». Celui qui dit « Assalamu alaikum », il a combien de hasanat ? 10. Celui qui dit « Assalamu alaikum rahmatullah », il a combien de hasanat ? 20. Et celui qui dit « Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh », il a combien de hasanat ? 30. Donc le mieux, c'est de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Certaines personnes, elles viennent, elles disent « Salam ».